Eh bien, bienvenue encore à la Maison de la Barbe. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ce soir, avec quelques invités, là, nous allons eh bien, vous faire une entrecôte traditionnelle, basadaise, de la Maison de la Barbe. Pour réaliser cette cuisson, eh bien, nous allons utiliser du sarment traditionnel à bordelais, mais du sarment bio, qui vient juste à côté des vignes que vous pouvez voir juste en face de monsieur Guévard. Donc nous profitons de sarments qui n'ont pas vu de pesticides et uniquement du sulfate de cuivre et de l'engrais naturel, notamment du fumier des vaches de Bazas. Donc maintenant notre braise est quasiment prête, nous allons fermer les grilles pour leur permettre un peu de chauffer et les mettre à température. Ce soir nous allons cuire un petit morceau, une entrecôte tout simplement, de la dernière vache que nous avons élevée, Ibaya, une très belle pièce de viande. Donc je vous présente la pièce que l'on va poser délicatement. Voilà, on tâche d'éviter que la viande ne colle trop à la grille. Et on attend gentiment la cuisson. Donc, pour l'instant, la cuisson se passe bien, ça va tout doucement. Maintenant, nous allons préparer le côté échalote. Alors les échalotes, pour magnifier leur saveur, il faut finement les ciseler. Ma technique, comme je la conçois, je dépose dans le plat de cuisson tout un lit d'échalotes où je vais venir napper le plat. Je les ai fait revenir dans du beurre. Voilà, donc à ma manière de préparation, je vais la mettre délicatement sur le coin du feu, histoire de faire un petit peu blondir l'échalote. La première phase de notre entrecôte va commencer à être finalisée et cuite, donc nous allons clairement la retourner. Hop, petit coup de fourchette, regardez la belle couleur dorée que nous avons sur le dessus, les stries du barbecue, c'est magnifique. Donc maintenant, petite astuce, je rassemble l'échalote au milieu du plat et je vais venir couvrir et je vais venir faire infuser ce petit lit d'échalote, une petite touche à l'assaisonnement, regardez. Le petit Jésus en culotte de velours, le top.